Oui, c'est ça. En fait, on était à l'émission, et il y a le consommateur qui a fait une émission en Algérie. Et qui a dit, il y a eu notamment ce qui fait là. Que ici, à Aubervilliers, alors pas ici même dans ce quartier-là, d'Aubervilliers, mais dans un autre quartier d'Aubervilliers, il y aura dans 5 ans un campus d'excellence. Bon, ah oui. Bon. Les ministres de l'enseignement supérieur qui appellent ça campus d'excellence. Et donc l'idée, c'est de réunir différentes universités parisiennes, notamment en sciences humaines et sociales, à Aubervilliers. Oui. Et donc dans ce campus-là, peut-être il pourrait y avoir une place pour la Cité des mémoires étudiantes avec d'autres, d'autres partenaires. Donc on a déjà... C'est vraiment un plan, c'est à l'avenir. On a déjà le partenariat avec les Archives nationales. Oui. Les Archives nationales, c'est à la limite de Saint-Denis et de... Cet après-midi, j'ai passé un après-midi avec des documents que je vous ai portés parce que j'avais une de ces mères qui gardait tout ce que leurs enfants avaient fait. Et j'ai trouvé mes lettres chez moi des années quand j'ai travaillé à Prague. J'avais des surprises à les lire, mais là-dedans, j'ai trouvé des papiers que je pouvais passer à vos jeunes archivistes qui sont enthousiastes, et même sur ces années du passé. Mais j'ai l'espoir que très bientôt, ils pourront tourner leurs intérêts aux archives de l'avenir, et d'un avenir où... Grâce à toi, la Cité des mémoires étudiantes, les archives s'enrichissent d'un fonds que tu as donné, qui sera un fonds extrêmement intéressant, qui participe d'autres donations que nous avons faites les uns les autres. C'est intéressant, c'est un vrai travail, surtout que maintenant il y a l'accord, donc la Cité des mémoires étudiantes et les archives nationales. C'est un vrai travail documentaire sur le devoir mémoriel que nous avons essayé de faire.